Bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenue à la chaleur. Dans le apéro, il est 10h22 secondes. Après avoir parlé samedi de nouveaux modèles de rémunération agricole, après avoir parlé de communication avec notamment la marque Fier, et bien aujourd'hui, on va parler de ce que les marques ont un rôle à jouer dans la transition agri-écologique. Alors, pour ça, nous allons voir, c'est passionnant. Je pense que tout ça, nous aurait pu voir. Ça va faire évidemment la transition écologique sur l'agroforesterie, sur la régénération des sols. Et pour ça, on a invité deux restaurants, alors un dans le domaine de la technologie, c'est Yves Rocher. Et vous allez dire tout ce que Yves Rocher dans les sports de transition agri-écologique. Vous allez voir, nous avons produit sur les cœurs. Il y a plein de petites qui sont prévues qui sont passionnantes. Et puis, il y a un autre acteur qui est dans l'alimentation et la santé, c'est nutrition et santé, notamment dans le domaine du blé. Et puis, déjà, si je pense que l'on, donc on va débattre, on attend dans le monde à tout de suite. On va en parler tout de suite avec Jordan, Cécile, Laridon, Lisa, de la bio et de l'agroécologie. La compagnie qui est l'agroécologie, c'est Yves Rocher. Oui, c'est ça. Donc, bonjour. Enfin, le bonjour avec elle. Tous les jours, entre les cœurs. Ça prend du vent blanc.
l'expérience du total de préservation aussi. Et c'est là qu'on sort l'inspiration en titre pour nos actifs prophétiques, donc principalement dans la prophétique. C'est un exemple qui est ethnobotanique, qui est devenu ethnobotanique, c'est-à-dire l'usage des plantes pour les humains, dont l'usage prophétique et parfumerie. Et donc, il témoigne de ces visages auprès du public. Okay. Et c'est des gens, ces visages-là, qui sont sûrs de l'inspiration de nous sur son vie de vacances sur les fonds de l'État. L'inspiration de la Bretagne est donc quelqu'un qui s'en rencontre et plus du sud-ouest. Nicolas, du système Fortune, de Pavon Gerblet, qui est à côté de tous les Bretagnes, lancé depuis 50 ans dans le Lorraine et près de Toulouse, à Rennes, et à l'Assistance de Flore. Avec le famille Moulin, du Père, Thomas, Sassillon, qui en faisant des expérimentations autour du pays, a découvert qu'il allait découvrir quelque chose qui est vraiment intéressant pour la santé en termes de fibres. Ça, c'est des histoires. Alors, c'est des histoires, c'est que Gerblet a réussi, en fait, à stabiliser le Gerblet. Et donc, un peu comme ça, qui a compris du blé, c'est un genre de blé qui consiste à être produit sur un médiment. On a réussi à le stabiliser parce qu'il y a un mécanisme qui est à l'intérieur. D'avoir des massifs produits comme une habitude. Et ça, c'est le début du temps. Et depuis, la boîte est restée paysanne, elle s'est développée un peu partout en France, mais c'est quand même le cœur de ses productions, et à la fois pour la compagnie alimentaire, qui vient aussi par la transformation, et donc, ouais, ça m'a mis depuis 50 ans, donc, il y a un grand nombre de la qualité de production, 800 ans, dans les problèmes, parce qu'on a une école d'accord avec ça. En France, ça fait un peu plus de 50% d'opportunité. Ensuite, on a fait un peu de temps au bout des luxes, en Italie, en Espagne, et en Espagne, en toute l'Europe. Donc, les ateliers de production sont très plus loin, mais aussi en montant en plus en dehors, ainsi que sans les termes, en confiance. On a aussi une grosse activité au Canada, en Europe. Donc, on trouve les transports français de façon assez complète. Pourquoi est-ce que c'est important pour les grossiers d'aller continuer à développer ce genre de botanique et de continuer à faire de la radio, de la recherche autour de ces fleurs? C'est pas plus simple aujourd'hui à l'ère de la création, de fabriquer des fleurs beaucoup plus résistantes, moins chères, mieux adaptables aux grandes transformations climatiques au monde. C'est quelque chose qui travaille pour regarder les résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur, non? Ça serait beaucoup plus simple, mais il n'y a pas de grossier. Et le jardin n'a pas utilisé un botanique. Ensuite, une fois qu'on a expérimenté sur une plante de cette transformation récite cosmétique, on va apporter l'efficacité à la formule cosmétique. On est là qui est cosmétique, c'est une électrique de la procédure d'extraction, en majorité de l'éco-extraction, qui permet de stimuler le potentiel de la plante qui bénéficie pour ensuite la formule cosmétique. Une fois qu'on a travaillé sur cette plante et cette actif cosmétique, on les met en production pour qu'on ait une exploitation de 60 hectares en agriculture biologique et mener son système en agroécologie. Et le fait de produire nous-mêmes, d'expérimenter, d'être en lien avec les agriculteurs, c'est ça, Yves Rocher, c'est ça qu'il ne peut faire au départ. C'est quelqu'un qui voulait développer ce qu'on a fait dans le village, c'est un peu plus tard. Et c'est ça qui nous aide à expérimenter et projeter quels seront nos filières végétales de demain, comment est-ce qu'on continuera à s'approvisionner dans un contexte climatique et de biodiversité plus compliqué déjà aujourd'hui. Voilà. C'est ça qui est faire depuis le temps à vous avez de la contrôle bretagne qui est extrêmement fort. Vous aussi, dans le sud-ouest, c'est notamment parce que vous avez travaillé beaucoup d'agriculteurs, alors, dans le blé principalement, et dans le soja, c'est ça. Et justement, en fait, on a beaucoup d'agriculteurs, on a plusieurs portées d'agriculteurs, qui sont situés à environ 200 km d'origine, et qui produisent, c'est le job, d'aller les voir, de les répertorier, d'aller les répertorier, d'aller travailler avec eux sur le blé des fleurs, aujourd'hui, on a des clés de charge qui sont utilisées pour faire santé. Et si on dit qu'il y a une alimentation de la filière, on peut finir par dire c'est quoi? C'est des légumes par exemple qui sont revenus à cette alimentation. Donc, c'est une santé que pour les agriculteurs spécifiques, peut-être qui prennent les légumes depuis plusieurs années, qui ont un clés de charge spécifique, qualitatif, pour qu'ils puissent bien sûr rester quoi? C'est du labour, c'est de la régénération des sols, c'est du temps qu'on a fait, on ne pas quand on regarde les régénérations, on ne sait quoi dans les obligations. En fait, ça passe tout des trop et tout protéique. Donc, c'est tout ça, de quantité engagée avec les sur qui vont faire. Vous leur garantissez des revenus? Tout à fait. D'accord. Si on voit 3 ans,
intervenir, c'est intéressant. Yeah.
beaucoup de choses, je trouve que c'est passionnant que c'est Hydrogé qui vient l'écrit, c'est qu'on ne peut pas tout savoir. Et on a exactement le même problème, c'est qu'on peut résoudre des événements. Par exemple, on a supprimé une hypothèse depuis 2010, on n'a pas encore tout savoir. Donc on n'a pas tout savoir. On a vu, même au départ, on l'a pas ressenti. Non, les gens, c'est pas les gens, c'est toujours chose, on les tient avec une vérité de là. La raison de la question qui court, c'est souvent les marques les plus vertueuses qui ont plus de sur quel point de vraiment faire de pratique, on peut dire, dans l'école ou au sein du problème pour qu'on ait plus vertueuse. Mais si quelqu'un s'assume, c'est parce qu'on n'a pas on a aussi exprimé tout le podcast, c'est-à-dire qu'on a regardé pour venir le fait de faire bien. Donc c'était pas comme collectif, donc on ne s'est pas assez ouvert. Comment est-ce que vous comment faire mieux? Et du coup, on a essayé de prendre la parole à certains acteurs qui ont fait des mois, mais qui ont mis beaucoup plus. Vous en avez vous voir ça peut être avec quelqu'un de plus parent pour le premier jour d'accord. Donc, pour ça, c'est dit finalement, c'est le truc aussi parce que ça fait du bien Internet. En fait, aujourd'hui, tout ça est complètement immobilier. Il y a besoin de transparence, comme on en parle depuis le début. Il y a besoin de savoir et de donner aux consommateurs la possibilité de choisir en toute transparence. Donc, ça, il faut faire tout ça. Il faut le faire en collectif. Et c'est pour ça qu'on a rejoint la collectif à la vérité. C'est notamment cette information du origine pour qu'un consommateur puisse venir si son produit vient de Pologne, du Canada, de France ou d'Espagne, mais en toute conscience. Et qui peut être pris qui correspond. Et les choses ont découvert que vous n'étiez pas appartenir à des japonais, donc à leur petit japonais, tout à fait moins. C'est bon, on a une autre, c'est un truc qu'on a mentionné, mais tout bien dans ce soir, il nous y a un temps, c'est bon d'arriver à continuer à la fois des décisions pour faire des marchés de l'Union européenne en termes d'agroécologie et des résultats financiers qui satisfassent l'actionnaire japonais. Ce qu'il faut voir, c'est que les critères de l'actionnaire japonais, qui est depuis 30 ans, en fait, pour les critères du social santé, en fait, les critères de l'emploi. Donc, les discussions qu'on a avec le fractionnaire, c'est la notion que vous avez cité, comme vous, en tout cas, la direction en fait de l'État, c'était, ok, à condition qu'on suive ce plan de transition et d'accompagnement du monde agricole vers la future plus grande. C'est comme ça que ça a été fait. En fait, ça a été fait sur quels sont complémentaires à la demande de l'institution de santé et comment on peut procéder durablement à 2040-2050. Ce qui motive le fractionnaire, c'est les discussions qu'on a avec le fractionnaire qui est capable de voir avant de 30 ans, c'est vraiment, hein, c'est ce qu'on connaît. Ok. Donc, ce que j'ai brossé, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez chercher aussi parfois assez loin des travaux, des voitures qui ne sont pas assez loin que du tout. On parlait tout à l'heure de la fleur de terreur au col des vies. La fleur, ça reste une de nos filières durables. Et en fait, on parlait tout à l'heure du positionnement à l'agrocéline, de l'introduction de nos plantes en agroécologie. L'agrocéline, en fait, c'est le jardin qui est visité au public. Le jardin, donc botaniste, qui est agrémenté par un agrément par le jardin botanique de France. Vous n'avez pas été très dénoncé à un moment donné du patron, l'actionnaire qui le voit dans son écoute. C'est aussi d'un secteur de carré, mais c'est pas pour les secteurs de carré sont petits, parce que là, on est dans la certaine salarié. C'est un peu la vie, c'est pas si bien. Voilà. Il y a un sujet qui a été le recours de travail, c'est que c'est ça. Le groupe qui se reconforté, encore, qui utilise beaucoup de choses avec les gens, c'est un petit peu le symbole de cette mondialisation agricole et de la recherche de l'eau.
d'ailleurs, en France, il faut exporter énormément. Donc, le fait qu'il faut s'acheter de bon aspect de ces organes, c'est la première fois que vous aurez de mettre cette part sur les écrans. Et vous avez décidé, vous, de discuter de cela, par la raison qu'il vous faut faire pas cette chose, 200 000 hectares, 500 000 tonnes de produits. Ça fait partie de l'histoire de toutes les enfants de faire. Dès le début, dès les origines, avant que 70, 80, 90, on s'est dit qu'il faut qu'on travaille le soja localement. Donc en fait, on a travaillé la capacité de faire des soja localement. Vous avez vu, on a eu des visionnaires à la tête de l'entreprise, on a eu des visionnaires à la tête de l'entreprise, sur ces, en 80, à la fin des années 90, la première filière sud-ouest, en Louisiane, parce que c'est des visionnaires pour les banques, c'est effectivement la totalité de nos sites de production pour, que ce soit sur des organes de végétaux, que ce soit sur des coûts, que ce soit sur des dossiers de coûts. Et on travaille avec l'ensemble de nos agriculteurs sur tous les sports spécifiques. On a même monté une association avec différents organismes, avec lesquels on a un partenariat et sur lesquels on a des conseils. J'entends parce que c'est ce que je veux dire, c'est que le transport du rôle, c'est un état qui est aussi soumis à des appareils de bureau, c'est que c'est pas du tout. La compagnie, la proposition d'aller chercher un terminal au Brésil, de l'Église du Nord, parce qu'en fait, c'est le cœur même de notre modèle, et des accords qu'on a, et on travaille énormément avec les agriculteurs, qui disent, voilà, si j'ai un rendement, c'est que pour les volumes, à la fin, j'ai une quantité garantie pour mes questions de santé, et si la qualité de l'État, pour des histoires de ce stade, pour de pucerons ou d'acteurs, et bien, les quantités qui ne correspondent pas à notre téléphone, vont en alimenter certainement. Mais ils sont passés des choses qui sont plus difficiles. Vous êtes un peu dans le seul, il n'y a pas que dans les politiques qui sont plus difficiles et plus difficiles. Non, il y a aussi une communauté de la santé. Donc, vous savez, en fait, c'est la discussion. Donc, en fait, la présence, c'est ce qui est en produit. Donc, vous avez la meilleure proposition des chiffres de par rapport à ce qui s'en va. Et vous, je ne sais pas trop le compter, d'ailleurs, on va avoir une discussion avec un peu. Donc, la base de tous les autres avancées, les idées, les partenaires, les idées, les frères. Donc, il y a des étudiants, on peut les
de la pharmacologie, c'est un volet très important aussi. Donc on essaye de travailler le plus possible avec l'enseignement, la formation à l'école. Donc on est par exemple trois médecins en Bretagne maintenant. Une bonne famille de l'enseignement qui va donner des étudiants. Et c'est essentiellement la formation pour adultes, donc on a continué, parce que les formations qui étaient autour de nous et dans notre domaine. Et donc on a des promos qui viennent s'aller chanter chez nous, donc c'est la promo pratique. On peut être amené à intervenir en formation aussi. Et donc, de cette expérience est née l'idée de travailler en politique française avec les FFR en disant qu'aujourd'hui c'est une filière. Les connaissances de la France ont été réputées pour reformer les hommes pour étudier la culture de ce qu'on a fait. C'est une chose parce que dans les années, avec l'orthographie, les étudiants, c'est juste formidable. Et quand il y a un truc que je comprends, c'est comment vous pouvez savoir, d'un point de vue marketing, de grand public, avec votre bâtiment, tout ce que vous faites à couler. On le voit, on le fait, mais pas assez. On ne sait pas plus, parce qu'on n'a pas appris les moyens de mesurer. Tout ce qu'on peut faire, c'est aujourd'hui la performance. Comme on est clair, par les produits, le packaging, beaucoup de packaging, puis ça, c'est un produit médian, donc je disais le consommateur tous les jours. Et on dit que parfois, dans une question du consommateur, qui est parfois complètement autonomiste, ou à la fois les labels, bien sûr, les promesses, c'est pas surtout vous, vous les faites, comment vous faites savoir. Donc le packaging, c'est clair, donc on est mieux aussi pour la transparence. Au-delà du packaging aussi, les collectifs autour de l'Ontario, les médias, que ce soit la télé, mais on a la télé,